Wesh les petits potes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sois Cool au Mike. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de visiter la crique corallienne, la cabane isolée et un avion écrasé sans nager en une seule partie les potos, en une seule partie et sans nager. Alors moi j'ai une big astuce pour réaliser ce défi. Vous allez en foire d'empoigne. Pourquoi? Parce qu'en foire d'empoigne, vous allez pouvoir construire des rampes et puis après naviguer dans toute la map en réouvrant votre planeur. Donc vous pouvez voyager dans toute la map très rapidement et très facilement et bien sûr sans nager et même presque sans toucher le sol quasi. Donc voilà, ça c'est une solution. Bien sûr, il y a une autre solution. Soit vous utilisez des bateaux ou alors vous utilisez le nouveau véhicule qui est l'hélicoptère. Et bien entendu, pour vous aider à trouver les hélicoptères, je vous affiche une map avec tous les emplacements, comme d'hab. Alors bien sûr, moi ce que je pense, c'est que le faire en foire d'empoigne, comme je vous ai dit, c'est vraiment insane. Regardez, vous allez directement à la cabane isolée qui se trouve juste à côté de Holy Edge, comme je le montre dans le gameplay. Vous prenez le maximum de matériaux sur cette petite île, et ensuite vous faites une rampe vers la crique corallienne. De là, vous sautez et vous vous dirigez directement sur cette crique. Alors, comme vous pouvez le voir dans le gameplay, moi, j'ai pas réussi à aller au-dessus de la crique, mais je suis tombé en bas de la colline et ça a quand même validé l'emplacement. Il suffit juste de visiter le lieu. Il ne faut pas aller obligatoirement dans le grand coquillage tout au-dessus de la colline. Donc, si vous êtes aux alentours, ça validera l'emplacement. Et ensuite, de là, vous créez une nouvelle rampe vers l'avion écrasé. Donc, bien sûr, les emplacements, je les montre dans le gameplay. Vous vous dirigez comme moi dans le gameplay, vous créez une rampe et puis boum, vous allez à l'avion écrasé. Donc là, vous aurez validé vos trois défis en une seule partie. Et même si on vous tue, bah, vous pourrez réapparaître. Donc logiquement, il y a moyen que vous fassiez les trois emplacements en une seule partie et sans nager. Et imaginons que vous n'avez pas assez de matériaux pour aller à l'avion écrasé. Même si vous pouvez farm tout ce qu'il y a sur l'île corallienne. Mais bon, imaginons que vous ne voulez pas farmer et qu'il y a trop de monde ou quoi et que vous voulez aller plus vite. Eh bien, il y a un petit bateau qui se trouve juste à côté de la crique corallienne. Donc, essayez de le choper avant que les autres le chopent. Puis après, dirigez-vous vers l'avion écrasé, tout simplement. Donc, voilà pour mes petites astuces. Et j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, ben, like, s'il te plaît. Partage pour aider la chaîne à évoluer. Et abonne-toi tant que tu y es si c'est pas encore déjà fait, wesh. MDL. Bon, allez, sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool, mec. Et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.